Alors aujourd'hui, le thème c'était volaille fermière et moule de bouchot. L'idée c'était d'associer ces deux produits avec évidemment d'autres ingrédients. Alors c'est un thème qui n'est pas facile hein, parce qu'on associe la mer, on associe la terre, on essaye de mettre ça ensemble pour rendre ça bon, succulent, avec une belle présentation. Alors c'était un exercice qui n'était pas facile, mais qui a plutôt été bien réussi par l'ensemble des candidats. On peut leur dire bravo, félicitations, et surtout qu'ils continuent à avoir envie de faire des concours, d'essayer des nouvelles choses, parce que la cuisine, finalement, c'est un métier d'ouverture, hein. C'est pas un métier où on fait la même chose tout le temps. Donc c'est aussi une façon d'aller de l'avant, de découvrir des nouvelles techniques, de se challenger. Enfin, la cuisine, c'est ça. C'est un concours qui défend des valeurs qui comptent beaucoup pour eux. Au travers de ces valeurs, eh bien, les restaurateurs de France s'engagent à accompagner des jeunes pour concourir et défendre leur savoir-faire. Ce type de concours font que on doit faire appel à des capacités, des compétences qui sortent un peu de l'ordinaire. On doit s'organiser au plus près, on doit économiser son temps de travail, on doit économiser ses gestes pour être le plus précis possible et le plus efficient possible. Donc ce genre de concours, même si vous ne sortez pas premier de ce concours, vous en tirez une véritable expérience qui vous permettra de renforcer votre savoir-faire et d'être encore un peu plus à la tête, je dirais, de votre pratique. Passer un moment sympathique avec des jeunes, prendre du plaisir, ce qu'ils m'ont absolument donné au quintuple. Et je suis bluffé de voir tous ces jeunes qui, à peine sortis du confinement, sont déjà en piste pour aller se battre sur des concours et continuer l'histoire de leur passion par rapport à ce métier. Et ça fait un bien fou. Merci aux jeunes, merci de m'avoir remis dans ce bain qui est celui de ma profession, parce que le plus dur pour ma part de ces 7 derniers mois, c'est qui on est vraiment. Et de participer à des actions comme ça, où les jeunes sont très contents de venir vers vous par la suite, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, combien j'aurais fait. J'ai su leur transmettre des choses qui pouvaient leur apporter pour la suite et qui m'a fait énormément plaisir. Beaucoup de courage, on a beaucoup apprécié, tout était très agréable, c'était une très belle surprise et félicitations par avance à tous. Donc, il s'agit de Monsieur Émilien Bonner. Félicitations. Qui partira en finale. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vous ai présenté une déclinaison de moules, volaille fermière, chorizo et légumes d'été. Donc, j'ai fait une déclinaison de moules, une chartreuse de légumes et la volaille, le filet qui a été farci et contisé.